Le mouvement politique Zedaga est officiellement lancé ce samedi 6 mars 2021. Soutenant les actions du président Patrice Talon, ce mouvement est porté par des jeunes dynamiques de Ouida. Ouida veut lancer le message de la paix. Ouida veut lancer le message de la mobilisation. Ouida veut regarder l'avenir avec confiance. Ouida veut regarder son développement en face. Il est important de sonner la mobilisation de tous les Ouidaniers autour des projets de développement que porte le gouvernement du président de la République, le président Patrice Talon. Quand on annonce Wilfried Rungé, c'est qu'on veut annoncer un événement culturel. Mais comment se fait-il que Wilfried Rungé, aujourd'hui, avec ses amis, porte un événement politique? Nous sommes en politique parce que nous avons une raison d'y être. Nous sommes en politique parce qu'il s'agit de Ouida. Nous sommes en politique parce qu'il s'agit du fils du terroir, le guide éclairé, le chevronné. Il s'agit du président Patrice Talon. Soutenir le président Talon, c'est soutenir Ouida et son développement. Soutenir le président Talon, c'est soutenir la nation béninoise en marche pour le progrès. Loin d'être un mouvement politique sans vision, le mouvement Zedaga compte relever un grand défi dans la mobilisation des populations de Ouida pour la réélection du président Patrice Talon. L'objectif est que les élections passées, je voudrais parler des élections législatives et communales passées, nous avons constaté que la population de Ouida se réserve, la population de Ouida ne participe pas à ces élections. Pour ce faire, les élections qui s'annoncent, je vais nommer les élections présidentielles du 11 avril prochain, nous voudrions travailler de manière à faire sortir la population pour que la participation soit massive. Soutenir le gouvernement de la République du Bénin porté par le président de la République, Patrice Talon, c'est donner une chance au Bénin de continuer la marche du progrès. C'est donner une chance à Ouida de continuer sur le chemin de développement. C'est dire au monde entier que nous pouvons. Parce qu'il a 50 ans en arrière, il a des pays qui étaient plus pauvres que le Bénin. Aujourd'hui, se font citer parmi les nations les plus prospères. Nous allons regarder ces gens-là. Notre développement ne serait pas des petits coups d'œil jetés auprès des démocraties à côté, mais auprès des pays qui se sont révélés. Le Bénin va se révéler. Ouida va se révéler. Va se révéler avec son fils, avec ses identités, avec le gouvernement que porte le président Talon. Après avoir évoqué les raisons qui sous-tendent son entrée en politique, Wilfried Rungé, coordonnateur du mouvement Zedaga, explique. Zedaga n'a pas besoin d'être dans tel parti ou dans l'autre avant de soutenir quelque chose de bon, de bien. Nous soutenons le gouvernement de la République, nous soutenons les institutions de la République et du haut de cette tribune, nous lançons un appel à tout citoyen béninois, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, de travailler à la paix, de travailler à la cohésion sociale, de travailler et de veiller à ce que la République puisse tenir debout. Nous ne voulions pas de la violence dans ce pays. Engagé aux côtés du bâtisseur des temps modernes, le président Patrice Talon, les responsables du mouvement politique Zedaga et les membres des coordinations des 10 arrondissements de Ouida sont déjà prêts et bien organisés pour une mission réussie.